Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Moi, je passe de super vacances à Sarlat, comme je vous l'avais dit. Donc là, je suis dans un gîte à la Roque Gageac, qui est un petit village à flanc de montagne, qui se trouve juste à 10 km de Sarlat. Et j'avais envie de vous montrer un petit peu le gîte où je suis, qui est juste splendide. Alors, je vais vous montrer un petit peu ça, je vais tourner la caméra. Donc on a un super grand parc de 6 hectares, je crois, avec un bois. Donc ça, c'est la maison principale. Mon gîte se trouve juste en haut, là, vous voyez. Ici, on a une entrée derrière. Alors, je vous montre la suite. On a un autre gîte juste à côté. Et je suis déjà venue dans ce gîte il y a 6 ans. Et donc, j'étais ici, donc, au pigeonnier. Je ne sais pas si vous voyez, mais mes enfants peuvent s'éclater à fond, là, c'est génial. Et il y a un autre gîte ici. Donc en fait, ils peuvent accueillir de 4 personnes à 8 personnes, je crois, peut-être même plus. Et donc juste en dessous, ici, on a la piscine. Donc voilà la piscine, elle est super mignonne. Franchement... on est tranquille. Les trois quarts du temps, on est tout seul dedans, donc c'est vraiment super. Et elle est bien sécurisée parce qu'en fait, c'est fermé à clé. Toutes les personnes du gîte ont une clé, donc c'est impeccable. Et dans la petite cabane qu'il y a au fond, il y a des frites, des ballons, bouées gonflables, enfin bref, plein de choses pour vraiment s'éclater. Je vous montre un petit peu la vue que nous avons de notre chambre. C'est super beau. On a les montagnes. Et en fait, juste derrière les arbres, là, on a Dôme, qui est une ville... fortifiée qui se trouve vraiment en haut de la montagne en fait. Elle est magnifique. Et bien voilà, ce petit tour est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous voulez voir d'autres photos de l'intérieur des gîtes et tout ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos des gîtes de Roquecombe si vous êtes un petit peu curieux. Et si jamais vous passez dans le coin, du coup, ça peut vous donner des idées. Donc hier, on a fait le château de Bénac qui est juste à côté. Et bah là, on a encore plein de choses à faire. Donc bah, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!